Mourir, c'est pas facile. On dit souvent lorsqu'on meurt qu'on voit toute sa vie défiler devant ses yeux. Personnellement, j'ai du mal avec cette affirmation, parce que je n'ai pas eu qu'une seule vie. Je vous surprends peut-être, mais je n'ai pas été que pirate. Laissez-moi vous raconter la fois où j'étais coach en développement personnel. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat. Non, je ne peux pas chanter ça, c'est trop dur pour moi. Je ne sais plus comment j'ai fait pour en arriver là, mais je sais que j'étais au fond du trou. Alors je me suis lancé dans ce truc qui était à la mode à l'époque. Détendez-vous mon gars, ça va bien se passer, je vous le garantis. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. Par la suite, j'ai rencontré un collègue, et je lui ai demandé de m'aider. Mais il m'a envoyé chier, j'ai dû me débrouiller tout seul. Vous savez, la vie, c'est comme une montagne. Il faut la monter, la grimper, et puis arriver à son sommet, et ben... on est content, on se sent victorieux. Inspirez cet air de victoire. Ça sent plutôt le renfermer. Un petit effort d'imagination, s'il te plaît. Un mental positif. Un mental positif. Produit des sentiments positifs. Produit des sentiments positifs. Et attire des événements positifs. Et attire des événements positifs. La roulade, c'est vraiment obligé. J'ai tout essayé. La promenade, crier comme un con, un atelier pratique. J'étais motivé pour que mon gars reprenne confiance en lui. Faut dire qu'en même temps, c'était mon seul client, donc je m'occupais de lui 24h sur 24. Évidemment, tout n'a pas été parfait, il y a eu quelques points de tension. Mais c'est faux ce que vous dites. Il n'y a point de tension. N'êtes-vous point tendu? Et mon poing dans ta gueule! Je vois, vous mettez les points sur les i. Ne touchez pas ce point sensible. Rassurez-vous, je ne suis pas un arbitre qui compte les points. Peut-on mettre un point final? Pas de point à la ligne. Non! Arrêtons cette discussion insensée. Dommage d'arriver à ce point mort. On n'a pas parlé des points fermés, des points vitaux, des points cardinaux. Vous êtes dur, je vous demande pas grand-chose quand même. La dernière fois que j'ai aidé quelqu'un, il a provoqué la guerre de Troie et j'ai failli y rester. Je vous assure qu'il n'y a aucune guerre à craindre avec moi. Avant toute chose, il faut que vous sachiez qui est votre client, quel est son rôle et qu'est-ce qu'il aspire à devenir. Vous devez savoir ça avant de commencer. J'en sais rien. Je suis parti du principe qu'il avait besoin d'une augmentation de salaire. Mais j'étais certain qu'il réussirait le point culminant de ma formation. Mais vous allez m'enregistrer? Je sais. Je n'ai jamais donné mon accord à une telle chose. Je croyais que t'étais un winner, mon gars. Quelqu'un qui fait face à toutes tes difficultés. Mais c'est bien sûr. En touchant le fond du ridicule, je vais remonter la pente. Mais pourquoi une chanson d'Alizée, au fait? Tu peux le dire à ton pote Jack, tu sais. Ah, j'aurais dû m'en douter que tu viendrais me faire chier jusqu'à mes flashbacks. Du pareil au même, moi je m'appelle Lolita. Quand je rêve au loup, c'est Lola qui saigne. Quand fourche ma langue, j'ai la... Hélas, il a fallu que j'arrête cette activité, qui ne me rapportait rien. Je me demande qu'est-ce qu'il est devenu depuis, mon client. J'espère qu'il a enfin eu son augmentation, et qu'il se fait respecter partout où il passe. Bref, pourquoi je me suis souvenu de ça avant de mourir? Je ne sais pas. J'avais pensé à une autre histoire pourtant. Mais peut-être que vous l'auriez trouvé trop fantaisiste. Vous m'auriez pas cru, tout ça. Et n'oubliez pas, croyez en vos rêves.